Bienvenue, bienvenue sur le stream légendaire de Orion. Eh bien, salut. Oh là, petit bug. Petit bug de l'espace, mon dieu. Mon dieu, petit bug. On est dans la quatrième dimension, je pense. Ah bah tu vois, le jeu d'horreur a fait bugger ma caméra, c'est magnifique. Mon dieu, c'est flippant. Attendez, hop, on va redémarrer ça. Ah bah super, super, j'ai un bug au niveau de la caméra, super magnifique. Ouais, t'as vu? Ouais, mais moi aussi je me fais peur en fait, parce que si tu veux... C'est quoi ce délire? Hop, ah, attendez, on va essayer de voir. Attendez, on va essayer de voir, parce que là j'ai un petit bug. Ça commence bien ce live. Ça commence bien, jamais eu de bug avec le Elgato. Ah super, super, ça devient relou en fait. Ça devient relou. Un instant. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. La caméra veut pas, c'est magnifique. Ouais, ouais, super. Voilà, on est bon, on est bon. Comment allez-vous les amis? Tu reviens après, tu vas jouer. Bah ça va, écoute, hein, ça va gentiment. On va partir sur de l'étrange. D'ailleurs on va se mettre un petit filtre. On va jouer le bas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme filtre? Correction colorimétrique. Est-ce que je pourrais mettre un filtre de couleur? Non, t'as quand même décalé ma teinte naturelle quand même. Bon, comment allez-vous les amis? Ouais, c'est le but. Sur quoi on va partir, c'est un peu le but en fait. Hop, hop. Ouais, petit souci avec la caméra, c'est la première fois que ça m'arrive. Comment allez-vous les amis? Je suis pas hyper rassuré, hein, j'avoue, de faire ce jeu. Salut Net, salut Mr. Stark, salut Luna. T'as pas regardé le planning? Je sais pas si vous êtes prêts pour ce qui va se passer ce soir. La caméra fait grève. Ouais, exactement, ouais, la caméra elle fait grève de ouf. Salut à toi. On a qui? On a Net, on a Luna, on a Gamer, on a Mr. Stark. Je sais pas si vous êtes prêts pour ça quand même. C'est, ça fait peur un peu, hein. Franchement, hein, je suis over pas rassuré au final. Over pas rassuré. Toi, t'es prêt? Ok. Bon,
Bon, on va partir là-dessus. En plus, je vais vous laisser la musique, hein, histoire que vraiment que vous flippiez un petit peu. Tant qu'à faire. Mais je sais pas, ouais, j'ai petit souci avec le PC aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ok, plein écran, non. Ok. Ok, nice. On est bon. On va pénétrer dans l'univers de Medium. Medium. C'est pas Halloween. Non, c'est pas Halloween. C'est pas Halloween, c'est pire. C'est pire, c'est le live sur Medium. Donc, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé. Bah ouais, non, mais c'est intolérable, ça, Mr. Stark. C'est intolérable. Vous savez quoi? On va même pousser le vis. Il est où? Il est là. Il est là, et normalement, il fonctionne. Hop, je vous demande un instant. Hop, on a la caméra quand même. Je vais mettre le capteur cardiaque. On va voir s'il marche. J'étais pas super enthousiaste la dernière fois du truc, mais on va le tester. On va le retester. Hop. Voilà. Ok. Donc, le temps de le paramétrer. Et on va mettre le capteur cardiaque du coup. Mais tu es là, mais c'est ça qui est bon. Les meilleurs sont là. D'accord, tout commence par la mort d'une petite fille. Alors on n'est pas dans la merde. Ça commence toujours comme ça. Hein. Déjà juste là, je suis pas serein. Hein. Since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. Ouais, je serais responsable, pas de soucis. Part of me, I could never fully understand. Un fragment de moi. Alors du coup, je vais enlever quand même, par contre, le truc d'avatar. Parce que vous avez pas voir les pseudos. Part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to. Ceux qui sont pas rassurés, levez la main. Looking through his stuff wasn't easy.
needed a moment to pull myself together. Je sais pas si le compteur de Takika, il est cohérent, parce qu'il bouge pas là. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Ok. Alors je me tâte à jouer à la souris, du coup. Je pense qu'il serait plus agréable à la souris, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, on va essayer ça. Ouais, ce sera peut-être plus agréable à la souris. Alors, ok, c'est un planning. Donc le jeu est très beau, enfin moi je le trouve très beau personnellement. J'ai eu l'occasion de le tester un peu, alors il est un peu creepy à certains moments. Salut Hibou, comment vas-tu l'ami? J'espère que tu vas bien. Petit chat. Ah ouais, non, ça j'ai kiffé, hein. Je suis resté trois plombes ici. Hein. Le chat est juste trop beau. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Ouais, c'est le début. Non, mais je l'avais commencé un petit peu, mais là je reprends. Mais le chat est juste magnifique. Ah, par contre, là il vénère. Reste tranquille. I used to think I'd never fit in. Jamais, mais Jack, mais ça ne le dérangeait pas. He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Le chat est juste magnifique. Jack was part of the Solinar. Ouais, d'accord. Encore un autre, sinon ça. Quelques mois dans un camp de détention, ça ne l'avait pas échaudé. Creepy à bloc. Ouais, pour l'instant, ça va. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Il se passe rien. C'est le début de l'aventure. Mais ouais, le jeu est cool. De toute façon, de base, moi, j'aime bien ce genre de jeu. Qui te pousse un petit peu dans tes limites psychologiques. Tu remarqueras que j'ai le tachycard là qui est bloqué entre 100 et 105. Voilà. Kids from the orphanage. Les enfants de l'orphelinat. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back to play, to listen. That was the least I could. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best. I kind of feel bad for making him go. Oh, ça va, hein, c'est pas non plus. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? D'accord, ouais, donc c'était une peste, une rebelle. Enfin, une peste. Ouais, une peste ou une rebelle, au choix. À voir. Ah, j'ai activé le RTX, mais je suis pas sûr que ce soit. Alors, il y a quelques petits bugs, petits lags, vous voyez. Là, quand je vais dans les menus, c'est super long. Je comprends pas. Affichage, donc on est bon, plein écran, HDR, ray tracing. On va le virer, on s'en fout en fait. Voilà, on va rester en élevé, c'est très bien. Voilà. Voilà. C'est le ray tracing sur un jeu comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Surtout en stream, en fait. Allez, hop. Mais oui, bien sûr, je vais mettre la clé du funérarium sur... Looks nourishing. Ok. Ok, et donc là, je vais donner à manger au chaton. Here you go. What's your face? Oh, regardez, you're still kicking around. Ouais, c'est hyper bien fait. Voilà, petit au fait, j'ai nourri le chat chez Jack. Je suis refait. Voilà, je suis refait, hein. Franchement. I can't believe it's all still here. Oh,
Ouais, d'accord, ok. Photo pour 5 secondes. Ah d'accord, donc 5 secondes, 3 secondes. Alors, in stop. Ok. Ok, voilà. Tu vas compter les secondes en fait. Ça c'est vachement bien foutu. Genre je peux faire ça avec toutes les photos ou c'est comment? Ah non, il y a juste une photo. Ok. Je trouve ça hyper cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si ça servait vraiment à quelque chose. Mais je trouve ça hyper cool. Je me suis réveillé il y a pas longtemps pour le coup. Vu que j'ai streamé ce matin, j'ai bossé cette nuit. N'hésitez pas à parler dans le chat, hein, surtout. Hein. Ah, tout à l'heure, ça parlait, là, ça parle plus. C'est triste. Hop. Ah, peut-être pas se barrer tout de suite. Quoique j'ai la clé. Ah oui, il faut que je récupère la pince à cravate, en fait, pour le cadavre. Yeah, toujours là, Mr. Stark, ça fait plaisir. C'est ça qui est bon. Voilà. Ok, elle est pas là. Ok. Let's do this the other way. Voilà, on a récupéré la pince à cravate. Ok, je pense que c'est tout. Jack est waiting downstairs. Time to say goodbye. We lived upstairs. Bah, c'est cool, justement, si tu connais pas, comme ça, ça fait l'occasion d'une découverte. If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Salut chat. Salut Tracref, comment vas-tu? Non, non, mais je t'en prie, hein, y a pas de soucis, les gars. Y a pas de problème. On va faire des arrêts successifs. On suit quoi avant de faire des arrêts successifs? J'ai pas compris. Alors, c'est quoi ici? Alors bon, c'est un jeu, voilà, c'est un jeu de réflexion. Hein, on va tourner plusieurs fois à certains endroits. C'est un petit peu le contexte du jeu, le concept. Viens de finir ton boulot. Ah, ah, ah. Ouais, j'ai bossé cette nuit. Là, je suis à peu près libéré. J'ai plus grand chose à faire. Donc, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur le stream. Potentiellement sur de la créa de vidéo. Potentiellement. Je trouve la motée. Oui, un monsieur bizarre là. Ouais. Mon dieu, une clé qui ouvre une porte. Attends, vous êtes novateur chez Microsoft. Hein. Franchement. On sent le taf quand même.
Il y a des trucs à récupérer là ou pas? C'est comment? C'est Yggdrasil? Qu'est-ce que fout Yggdrasil ici? Formation Adam Nowak. Adam Nowak, pardon. Novak. C'est cela, c'est Cracovie. Marié, date d'essai 99. D'accord, ok. Donc c'est une Thanatoprax. Ok. Pourquoi pas. Ça fait encore plus badé pour le coup. Mais pourquoi pas. Du coup. Parce que je lis en même temps ce que vous mettez. Libéré, délivré. Donc là, on va faire quoi? On va préparer un mort, en fait, je pense. Ah, j'aime pas, tu sais, quand tu descends, les trucs comme ça. En principe, hein, sur les jeux, quand tu descends des couloirs comme ça, ça a rien de bon. Alors. On va sortir le cadavre. Voilà. Hein. Hey, Jack. Oh, mais c'est charmant comme jeu. I got your special clip. Ah merde, faut la cravate. Elle est là. Et voilà. Snazzy. You wouldn't have it any other way. I didn't expect this to be easy. Et voilà, on lui a mis sa jolie cravate. I didn't know what to expect. Moi, il aura la classe dans l'au-delà. Just burned you from the inside out. J'adore ce sample. J'ai trouvé ça juste avant le live. Je suis fan. Ça va réveiller net. Du coup, on a plus de musique. Je vais remettre de la musique parce que sinon, ça va être un peu chiant. On est dans le contexte en plus. Ah ouais, ça c'est vraiment la musique qui apporte vraiment le petit truc qui manquait. Oula, ça va partir en cacahuète les gens là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis over pas rassuré. Hein. Je tiens à le dire. C'est quoi ça? On est d'accord, il y a une forme d'un monsieur bizarre là. Ouais, grave. La bande son. Ouais, je sais, mais. Voilà, c'est ça. Après, je pense que j'ai bien trouvé la musique pour cover le truc, quoi. Ok. D'accord. Ok. Ma question, c'est pourquoi?
Salut le loup-garou, comment vas-tu? Comment vas-tu, copain? J'espère que tu vas bien. Ah, donc c'est ça. Donc les, voilà, on est sur deux mondes alternatifs. C'est pour ça que j'ai appelé le live et vice-versa. Ouais. Bah écoute, si ça va, alors me voilà rassuré. Tu viens flipper un petit peu avec nous. T'as raison. T'as totalement raison. Oh, ah, le fameux carnet. Ah ouais, donc là, en fait, elle est dans le monde des morts. En FPS. Comment ça, en FPS? Ah, en first person. Ah oui, je croyais que tu parlais par rapport au compteur BPM, je comprenais pas. Dak. N'hésitez pas les gars hein, à spammer, à inonder mon Twitter en m'identifiant ou Facebook. Vous prenez une photo du live quand vous. Ça peut être amusant. Vous prenez une photo hein, avec votre téléphone hein, de votre setup en train de regarder le live. Et puis vous la mettez sur Facebook, vous m'identifiez ou sur Twitter. N'hésitez pas. Allez, on va faire un challenge. Plus belle photo, je fais un cadeau. Allez, boum. Ouais, je suis d'accord, loup-garou. Je trouve que le jeu est parfait comme il est. Et puis regarde, voilà, tu vois, ça permet de voir un petit peu les interactions où là, elle agit dans le monde, mais elle agit aussi dans le vrai monde. Tu vois, c'est. Ah, donc soit elle est un peu fêlée, soit elle est vraiment médium pour le coup. C'est possible. Fait bader quand même Pierrot. Hein. Ah Pierrot parce qu'il est blanc. J'ai pas eu beaucoup d'imagination pour le coup. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à parler sur le chat. Non, c'est clair. Et puis, bah, ça reste un jeu à la Alone in the Dark. Je trouve qu'il est très proche d'Alone in the Dark, pour le coup, au niveau des mechas. Après, j'ai pas vu si on pouvait se défendre ou quoi que ce soit. J'ai pas encore été jusque-là, mais... Alors, par contre, vous allez voir, hein, les musiques que j'ai mis, du coup, ça va vous faire flipper tout le temps. Ça parle beaucoup, faut aimer ça, par contre. Oui, bah oui, c'est un jeu narratif, hein, donc... Les jeux d'horreur sont souvent narratifs, hein. Beaucoup de dialogues. Hein. Tu regardes Resident Evil par exemple, quoi qu'on en dise, il y a énormément de dialogues. Mais oui, on est un peu dans la lignée des Alone in the Dark, Silent Hill, Resident Evil, enfin les, ceux de l'époque hein, bien sûr. C'est assez cool. Mais tu dois me faire confiance.
Non, c'est de l'horreur psychologique. Et je parlais vraiment en termes de fonctionnement. Bah, Alone in the Dark, oui, c'est un mi-chemin entre l'horreur et l'horreur psychologique. Après, il y en a plein, mais j'aurais pu citer Alan Wake, mais Alan Wake, on n'est pas du tout sur les mécaniques, puisque c'est des mécaniques bien, bien propres. Après, en termes de flip, oui, on va être un peu dans la flip que tu ressens sur Alan Wake. Mais oui, Alone in the Dark, quoi, pour en citer qu'un. Voilà. The French Game. Et Bluebird Team en plus qui a créé ça, enfin Bluebird Team, ils sont quand même vachement barrés en termes de réalisation. Vous voyez, petite. Ninja Dark, bah maintenant ça piquerait les yeux, mais à l'époque, si tu veux, c'était le premier jeu 3D horreur. Et c'est ce qui a inspiré, on va dire, Resident Evil, pour le coup. Ouais, t'as ce côté un petit peu rétro. Ce côté un petit peu rétro qui est cool. Et surtout que c'est des. Voilà, c'est réellement filmé, donc c'est. Non, c'est pas. Enfin, je sais pas. Après, c'est Bluebird Team, hein, donc. Les mecs en sont capables. Alors j'ai pas les noms, oui c'est sûr, après je t'avouerai que un peu fatigué ce soir, j'ai pas une bonne mémoire quand je suis fatigué. Ouais, c'est hyper classe. T'as ce petit côté à mi-chemin entre la, si vous connaissiez la série Au-delà du réel, X-Files, on est un petit peu, tu vois, sur le même délire de générique, le côté vachement... vachement psychologique, tu vois, où tu vas te poser la question du choix des images. En noir et blanc, comme ça, vachement rétro. Ah, t'as vu, la musique passe bien. Hein. Ah, je suis en moto. Je suis une bikeuse. Alors la DA est somptueuse, hein, clairement. Hein, elle... Il y en a qui ont dit que le jeu était pas ouf beau, mais moi, pour moi, il est ce qu'il doit être. Et c'est parfait comme ça. Ouais, les Yorfien. Observer est fabuleux. Blair Witch, le jeu est exceptionnel. Exceptionnel, les mecs ont réussi à te recréer la flip d'un Blair Witch dans un jeu vidéo. Et GG, parce que je peux vous le dire, hein, Blair Witch, hein, j'ai fait la moitié du jeu. Si vous voulez, on le fera, n'hésitez pas à me mettre un +1 si vous voulez plus de jeux d'horreur sur la chaîne. Si vous voulez du Blair Witch, mettez +1 Blair Witch. Si vous voulez du Layer of Fear, mettez +1 Layer of Fear. Mais ouais, non, Blair Witch est vraiment exceptionnel. Observer, il est très très dur comme jeu, très très dur, psychologiquement je parle, très très complexe. Ouais, c'est un peu ça. Bah, même les arbres, ils t'en veulent, hein, en fait, sur Blair Witch. Après, des jeux d'horreur, faut savoir que dans l'indie game, il y en a des wagons. Clairement, vous en avez en moyenne entre 2 et 3 qui sortent par jour, c'est quand même vachement impressionnant. Il y a du bon et du pas bon. Hein. Il y a vraiment des jeux où, ouais, où les mecs font 2-3 trucs et 2-3 assets, une petite histoire. Mais des fois, sur les jeux indie, jeux d'horreur indie, c'est un truc qui va vous prendre quoi, 20 minutes, 1 heure. Saut +2. Ok, bah, je vais en faire plusieurs alors. N'hésitez pas à me dire dans le chat, hein, des jeux que vous aimeriez voir sur la chaîne. Moi, ça peut m'aider justement à cibler un petit peu ce qui vous intéresse. J'aime bien, hein, les jeux d'horreur. Hein. Bon, après, je t'avoue que mon kiff, c'est ce genre de jeu. Ça plaît pas forcément à tout le monde parce que c'est très lent comme rythme. Voilà, moi, je prends vraiment le temps, tu vois, de regarder, d'analyser les trucs. Star qui veut me voir flipper. Salopard. Hein. Mais ouais, j'ai été voir, hein, dans l'indie game, clairement, t'en as qui sortent tous les jours. Ah,
Et puis j'aime bien que tu vois, dans ce genre de jeu, tu peux avoir vraiment des interactions, en fait, avec, avec le, j'allais dire avec le public, mais oui, on en est là, quoi. Genre te dire, bah tiens, t'as pas vu, là, il y avait un truc, yo Yoshi, yo Yoshi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, l'ami. Mais t'inquiète, mais vous excusez pas, les gars, pour le retard, hein. Déjà super cool que vous soyez aussi nombreux et souvent au rendez-vous, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Telltale, je suis super fan. Franchement, pour moi, Telltale, c'est en... Sur ces 20 dernières... Sur ces 15 dernières années, voilà, c'est ce qui s'est fait de mieux en point and click aventure. Voilà, ils ont un petit peu... Ils ont gardé, en fait, toute l'essence du point and click et ils l'ont adapté à leur sauce et ça marche. Je veux dire, le pari est gagnant. The Walking Dead est très bien, ouais, je l'avais commencé, mais ils sont tous bien en fait. Même le retour vers le futur, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Ça apporte des trucs. Ah non, mais l'univers est insane en fait. Bah, ils trouvent moche parce que voilà, c'est pas du visuel Call of. Hein. Tu connais les gens, hein, on va pas forcément relancer le débat. Les gens, si ça ressemble pas à un Call of ou à un Horizon Zero Dawn ou à Last of Us, même si celui-là, je le trouve... franchement, je le trouve aussi quali que Last of Us, vraiment. Même si ouais, j'adore Last of Us, j'adore la licence, le jeu est somptueux. On n'est pas sur le même style de jeu. On est peut-être un peu... Ouais, on a quand même un cran au-dessus visuellement. Mais il est cool. Franchement, la DA est vraiment cool. Par contre, normalement, j'imagine qu'il doit y avoir des tenailles ou quelque chose. Parce que là, je peux pas interagir. Je peux interagir avec rien. Wolf Among Us, je l'ai pas fait. Je t'avouerai que c'est le seul de Telltale que je n'ai pas fait. Mais oui, de ce que j'avais vu, il était vachement cool. Faut pas oublier que c'est un jeu indie. Et visuellement, c'est trop beau. Et la DS super pour une petite équipe. Mais de ouf, en fait. De ouf. Mais c'est ça aussi que je reproche, c'est que... Pour moi, l'indie game, c'est un petit peu le gaming de demain. Dans le sens où les AAA, à l'heure actuelle, savent réchauffer, mais on pas forcément. Alors, c'est peut-être une question d'envie, une question de stratégie. Je tourne en rond, je sais plus du tout ce qu'il faut faire là. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, carrément, c'est un truc qui peut se caler. Attends, il y a quoi sur la porte? Mais ouais, je pense que derrière une pince. Non, t'inquiète. Non, mais moi, j'adore parler, hein. Tu le sais très bien, hein. Échanger, hein. C'est pour ça que je suis streamer, hein. C'est pas pour... Si c'est juste pour jouer et pas parler, je peux le faire dans le fond de mon canapé. Surtout que le jeu est sur Xbox Series X, donc... Non. Just perfect. Bah, pour moi, encore une fois, hein, Ibu, hein, c'est un dialogue qu'on a eu, ensemble. Pour moi, un streamer qui parle pas aux gens, c'est inutile. Inutile. Les gens disent, ouais, mais non, mais je partage juste mon contenu, les gens regardent et c'est tout. Ok, mais je vous ai épargné le bruit de mon éternuement. Je fais des éternuements massifs en ce moment. Ils peuvent tuer, il paraît. C'est mes allergies. Alors là, je suis un peu perdu. Je vous avoue que je suis un peu perdu. Donc oui, donc un streamer qui parle pas, quel intérêt au final? Merci, le loup. On t'appelait le loup. Claude Lelouch. Petite référence à Claude Lelouch. Je suis un peu du père. Vous avez une idée ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, on va faire interagir le public. Mais oui, la DA est formidable. La DA est clairement formidable. Enfin, tu vois, c'est beau, c'est suffisant. Alors après, on va peut-être te dire, oui, mais c'est du visuel figé. Oui, c'est du visuel figé. Ah, c'est bon. Ok, j'avais pas été là. Non, mais c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, il gère Coco. Ma grande, si tu passes de l'autre côté, tu... T'as moto, hein. Donc, mais regardez ça, en fait. Alors, les perspectives sont parfaites. Enfin, c'est... Ok. Ah oui, on peut courir. Ça, c'est cool. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, c'est ça, c'est que le jeu est comment dire, équilibré. Voilà, on va parler d'équilibrage. C'est qu'il est équilibré, ils ont pas trop poussé, tu vois, visuellement.
Même si, bah, si je pousse le RTX à fond, on peut essayer. Alors, je suis pas sûr parce que j'ai qu'une 2080 super. On peut pousser par exemple le ray tracing à fond. Vous voyez, à fond. Voilà. On va voir, hein, si ça se trouve, ça va pas du tout le faire parce que je sais qu'il met. Il met des PC en PLS. Ah, regardez, hein. Ah non, franchement, ça tourne. Ah, regardez, visuellement, ça envoie du très lourd. Je viens d'armer. Tes points de chaîne en dormant. Ah oui, j'avoue, t'as slacké. Tu restes sur le live, c'est pour ça. Alors, on va voir si ça tourne avec le RTX, sinon je le baisserai un peu. Mais j'attends les cartes graphiques AMD, voir ce que ça vaut, parce que là c'est vrai que payer 2000€ une 2080, ça me branche pas trop. Voilà, donc là on a par exemple, regardez. Donc voilà, on a cette notion de vision. Voilà, c'est... Ça s'arrête ici. On va voir d'où venaient les pas. Voilà. Genre un truc là. Ok, bon. On va run dans la forêt. Hein. Ah non, mais je parlais. En fait, quand je disais ça, il n'y avait pas d'interaction possible. Ah mais regardez, mais c'est waouh, c'est super beau. Oh, j'ai les yeux qui frétillent là. Tellement c'est joli. Tu fais un petit jogging, tu vois, du matin dans la forêt. Putain, c'est Blair Witch le truc. Là tu vois le coup que ça va être une forêt infinie. Donc il y a toujours ces traces de pas. Ouais, je suis pas hyper rassuré pour rentrer dans ton fort, ma grande, mais quand faut y aller. C'est une joggeuse, ça se sent. Y a quoi? En principe, quand il y a un warning, c'est pas bon. Attention, en raison de la découverte récente de dépouilles, les travaux de rénovation sont interrompus. Profitez des fouilles archéologiques. Vachement rassurant, en fait, les gars. Vachement rassurant. Mettez un panneau comme ça. Je suis pas hyper rassuré. Donc là, c'est le petit pseudo QTE emprunté à Tomb Raider. Et la boum. Ah. Vas-y, pas de soucis, Yoshi. Ciao, ciao. Voilà, donc là, c'est un petit peu le style du jeu, voilà. C'est que là, je suis dans les deux mondes. Et regardez bien. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui changent. C'est ouf, en fait, ce qu'ils ont fait. Je trouve ça insane. Donc ça veut dire que potentiellement, je pense qu'il peut y avoir des zones dangereuses à droite, mais pas à gauche. Alors pourquoi j'ai A d'un côté, X de l'autre? Ah. Alors attends, parce que du coup... C'est hyper étrange, hein. Mmh. D'accord, d'accord.
Ah ouais, focus sur le monde spirituel. Ouais, c'est ça, quand on existe en deux réalités, les deux vous affectent. Mmh. Ah oui, j'imagine, ouais. Mmh. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. Mais oui, c'est hyper étrange comme concept. Donc là, potentiellement, c'est ce qui va me permettre de remettre le courant. Je pense que c'est pas... Je dirais pas forcément un défaut, je dirais que c'est un choix. RT. Wow. Exceptionnel. Voilà, puis là je reviens. Ah oui, donc du coup, donc elle cède un petit peu du monde des morts pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc en gros, elle est dans deux mondes, mais elle vit pas vraiment dans un seul. Elle partage en fait sa personne dans deux mondes. C'est waouh. Fire. Oui, sympa. Ouais, je pense un jeu comme ça, oui, bien sûr, je le finirai, ouais. De ouf, j'adore, hein. De toute façon les trucs comme ça. Non, et puis je trouve ça exceptionnel quoi, le jeu est sorti Day One, tu l'avais dispo sur le Game Store de Xbox. Bah c'est cool. Bon après je pense qu'à terme je l'achèterai aussi. Mais ils ont pas fait d'édition collector, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que le personnage est assez cool. Après, ce qui est étonnant, c'est que la première fois que j'ai joué, je suis pas passé par tout ça, je crois. Donc, est-ce que tu as deux arcs en fait possibles? Je sais plus. J'ai pas souvenir d'être. D'avoir fait ça. Ah, si, peut-être. Ouais, si, c'est toute l'intro. Ok. Si, bah si, je l'ai fait, si, forcément, mais ça n'avait pas marqué de ouf. Il y a des petits lags, hein, je trouve. Hein. C'est peut-être le RTX hein, qui me fait un peu laguer, quand même. Je sais que le ray tracing a mis pas mal de PC en PLS.
limité, on va mettre. Ouais, c'est mieux là. Ah, par contre, il faudra que je désactive quand même les notifications, ça te sort un petit peu du délire. Les notifications de haut fait de Xbox. Tu n'as donc pas ta pince, monseigneur, sur toi. Il y a toujours un moyen. Mais pareil, je pense qu'on se fera aussi Last of Us 2. Je ne l'ai pas retesté sur la PS5. Ah, un petit rire là, un petit rire de gamine. Je sais pas si vous avez entendu, c'était très très subtil. Moi je l'ai entendu, j'aurais préféré ne pas l'entendre. Dans les jeux d'horreur, ils te mettent toujours des gamines. Genre une gamine, c'est effrayant quoi, tu vois, c'est... Ok. Une flèche. Doubling as a spare bedroom, apparently. Hope you don't mind if I pop your trunk. Ouais, j'imagine, bah, un peu comme le gosse hein, dans Blair Witch, genre over creepy. Ah bah voilà, là voilà notre poignée de porte. Oh. D'accord, normal. Moi je me casse. Laisse-moi tranquille. Genre la voiture elle klaxonne comme ça, non mais oh. Non, après en termes de creepy, gaming creepy, rien n'égalera Silent Hill. Silent Hill, ça a été un jeu que j'ai fait. J'étais tout jeune, j'étais tout minot. J'ai 35 ans donc j'avais quand même un certain âge. Mais ouais, Silent Hill, je t'avoue, je l'ai fait la nuit, sous la couette. Best experience horror. J'ai bien badé. Magnifique. C'est vachement bien foutu parce que du coup, tu vois, c'est genre, ils te font aller là où tu dois aller. C'est pas genre tu choisis en fait. Voilà, tu vois par exemple ça. Ouais, mais il faudrait qu'il refasse un remaster, hein. Pour moi... Moi j'attends, hein, j'attends leur remaster de... avec impatience. Ah, la gamine de Silent Hill... why? Ah, par exemple, tu vois, le personnage en fait me fait un peu penser à la nana dans Control. Tu vois, par exemple, Control, c'est un jeu que j'ai pas aimé. Je le trouve pas hyper intéressant. Je sais pas si tu l'as fait, Control. Il est gratuit hein, sur le Game Store aussi. Enfin, il est gratuit un peu partout maintenant. Je crois même qu'il était gratuit sur Epic Games de mémoire. Mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bah, il est pas mal contrôle, tu vois, t'as tout, cette histoire de contrôler la pesanteur, tout ça. Mais je sais pas, j'ai eu du mal. Ouais, non, l'histoire est très bien, justement. Enfin, moi, c'est plus le gameplay qui me dérange.
Il y a de très bonnes idées. Encore une fois, le jeu est très très bon. La direction artistique est très belle. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui fait que j'aime pas le jeu, en fait. Et je sais pas quoi, particulièrement. Alors, en principe, un truc comme ça avec la lampe semi-allumée, c'est pas bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... ça pue un peu, quoi. Ouais, ça sent pas bon. Hello? Thomas? Thomas? Are you here, Thomas? Es-tu là, Thomas? Si tu es là, frappe trois fois. Donc là, ça va être le même délire, hein. Le mec sort ça comme ça. Oh, ce n'est qu'un vieil hôtel hanté. Qu'est-ce qu'un hôtel hanté à l'heure actuelle? Je n'ai rien. Ouais, ça va être dur de... Hop. Ça par contre, oui, ça, j'avais été ouf en fait. Alors, ma chère, je sais pas... Staff. Ok. Donc ça c'est carte postale des gardiens. Y a rien d'autre à ramasser là. Je peux ramasser des vieux mégots quand même. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu après. C'est le côté RP ça. Allez. Ça va, c'est une sonnette, fille. Oh, une babale. J'ai réécouté la BO. Bah, c'est vrai que j'ai vraiment voulu mettre une petite ambiance, tu vois, sonore. Fameuse fille creepy. Non, j'ai coupé les musiques du jeu, justement. Je peux les remettre si... Bah non, pas sacrilège si tu veux, mais je me suis fait tellement strike sur des musiques, sur des jeux, que maintenant je prends plus de risques. Ouais, mais les musiques, malheureusement, tu peux plus faire ce que tu veux sur les jeux. Très souvent, t'as des musiques qui sont pas libres de droit sur les jeux. Donc tu te fais strike. Moi, si tu veux, je me suis fait strike sur 6 jeux depuis octobre. Au bout d'un moment, maintenant, je prends un petit peu, mais... Ouais, c'est très triste. Ah, mais c'est hyper triste. C'est hyper triste d'être obligé, tu vois, de faire des subterfuges, de passer du son gratuit, parce qu'en gros, on tue personne. Enfin, c'est sur YouTube, enfin, tu mets des musiques, c'est les musiques des jeux, enfin... Moi, je trouve ça aberrant, mais bon. Diffuser une musique, ça, c'est encore les... Une histoire de royalties, tout ça, quoi. Surtout qu'à un moment, il faudrait que les gens arrêtent d'être focus. Enfin, les musiques, tout le monde pirate les musiques. C'est malheureux, mais tout le monde pirate les musiques. Moi, j'en télécharge pas, parce que j'ai 10 heures. Mais tu vois, même avec Deezer, je peux même pas relier mon compte Deezer et mettre les musiques où je paye pour les écouter, tu vois. Pour de la diffusion. Et alors, il y a toujours un petit peu les social justice warriors qui vont me dire « Oui, mais en fait, tu comprends, t'as le droit de les écouter, mais t'as le droit de les diffuser, ça se fait pas et tout. » Bah ouais, enfin non, je suis pas d'accord. Enfin, clairement, c'est du stream. C'est, encore une fois, on vend pas... On vend pas le média, quoi. On vend l'instant, on vend le gameplay, on vend toute la partie qui se passe sur le chat, et puis voilà. Tu diffuses la musique avec son œuvre.
J'ai pas compris, tu diffuses la musique. Bah la musique est un œuvre. Je dis pas pour toi. Et la Devi. Bah, je dis pas pour moi et la Devi. Ouais, dans ce cas-là, faudrait banaliser 99% des vidéos YouTube. Tu vois. Faudrait arrêter aussi de mettre des musiques dans les jeux, en sachant que le stream, c'est quand même quelque chose qui s'est démocratisé. Enfin, moi, je peux vous sortir l'exemple. Hein. Vous faites une vidéo sur YouTube, vous mettez l'intro, donc le menu, hein, où voilà, vous avez les options et tout, de Spider-Man, donc de Marvel Spider-Man sur PS4, vous faites Strike. Voilà, parce que la musique n'est pas libre de droit. Kingdom Hearts, pareil, il y a 2-3 musiques qui sont pas libres de droit. Voilà, vous pouvez vous faire Strike sur la partie La Reine des Neiges avec, avec Libéré et Délivré. Bah voilà, donc Wait. I can't go that way. Bah parce que tu l'as acheté pour ton usage personnel. Je dis pas que ce jeu là, je vais me faire strike, mais j'ai juste je veux pas prendre de risque. Le problème, il est là hein. Le problème c'est que il y a tellement si tu veux de dérives. Que tu te dis ouais, est-ce que si je mets la musique là je vais faire strike. Ouais bah ça devient c'est marcher sur les œufs. De toute façon streamer maintenant c'est marcher sur les œufs hein, très clairement hein. C'est super triste. Ok, donc là on sait qu'on n'a pas les objets. D'accord, donc là on a le double monde. Je pense qu'on va pouvoir trouver des trucs différents, notamment sur la gauche je pense. Pas là. Mais bien sûr que c'est triste, hein. C'est... Bah c'est dommage parce que tu te dis qu'il y a une partie de l'œuvre au final qui est un petit peu tronquée, clairement. Bah, mais pour tout, hein. Pour tout, hein. Pour moi, banaliser comme ça, c'est. Bah, rien, en fait. Pour le coup, rien. Ah, il est tout beau, ouais. Salut, Wijem. C'est un jeu exceptionnel, Medium. Station de vigile sur l'avenir. On n'a rien sur les côtés. Mais oui, c'est démoralisant, hein, des fois. Oh! I wished I knew her real name. Et le problème, c'est que si t'as pas des OPSP avec certains trucs, tu peux pas faire ce que tu veux. D'accord. Encore. Ok. Ça va. Là, par contre, je t'avoue que je suis largué là. Ah d'accord, ah ouais carrément, je peux switcher. Waouh.
Putain, je peux switcher complètement. Franchement, c'est ouf. Ah, donc ça veut dire que quand je suis hors corps, je peux passer au-delà de zones où elle peut pas accéder. D'accord, et du coup là je redescends. Et ça veut dire que là je vais pouvoir aller au bout. Oh, t'inquiète. Ça, c'est la magie des PC en carton, ça. Ah, et plus je m'éloigne, plus elle disparaît, en fait. Plus je m'éloigne, plus elle disparaît. Ah, attends. Ah, là, il y a un truc. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Ah mais 1000 balles un PC c'est rien mon gars à l'heure actuelle. 1000 balles un PC c'est un PC entrée de gamme hein, à l'heure actuelle. Ok donc on va recommencer, on voit ce qu'il faut faire. Hey. An elevator. Might as well see if it works. Sadness. I wished I knew her real name. Ah bah c'est... Oui, la vie est comme ça maintenant. Hein. De toute façon, la plupart des gens n'ont pas le budget, mais tu peux rien y faire. Hein. Ok, donc là, si je comprends bien, il faut quand même être relativement speed. Déjà à disparaître. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Ah oui, d'accord, ok, elle peut pas. Elle peut pas vivre toute seule très longtemps. Oh, c'est chaud. Spark it up.
Ah merde. Ah ouais, c'est assez... Ah oui, c'est sûr. Mais ça, je te l'ai dit. Hein. Faut faire un mini sur un PC. Salut PsychoFox, comment vas-tu? Comment vas-tu, copain? J'espère que tu vas bien. Attends. Ok, bon, on sait ce qu'il faut faire maintenant. On sait exactement ce qu'il faut faire. Là, c'était juste un problème de timing. Très clairement. Ouais, non, mais miner sur un PC, enfin, les gars, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner 3€ par, 3€ par an, vous allez en dépenser 2000. Ben, je vois pas l'intérêt. Voilà. Je te l'ai dit, hein. Enfin, on te l'a dit, hein. Même Dionysos t'en a parlé. Hein. Ok, allez. Allez, on est chaud bouillant. Stay under for too long and it just pulls you in. Ouais, si tu veux, ouais. Pourquoi pas, ouais, ça peut être rigolo. Très bon, Way Out. Belle expérience. On l'avait pas tout fait, j'avais fait ça avec un pote. Avec Alex, un pote. Très très bon expé. Okay, Marianne. Now get your ghostly ass back. Bah écoute, hein, il fait ce qu'il veut, hein. S'il veut mettre son argent par les fenêtres, ça là-dessus, il est grand. Hein. Putain, mais elles font à vue d'œil en fait. C'est vachement creepy, je trouve. Voilà. Salut mon Johnny, comment vas-tu? Comment tu vas, bichon? Alors... Hop... Donc là... Une bouche. C'est vachement creepy, hein, les trucs. Hein. L'art du peintre international réputé Richard Tarkovsky. Pour la première fois à la station Niva. Ok, donc là on peut pas descendre. Ça va, gentiment. Gentiment, mais sûrement. Je me triture le cerveau. On est là. Meeting room. Ah, GG. Là, c'est d'où je viens. Ok. Mais en fait, le 1 et le 2, c'est pareil. Ouais, carrément. Bah là, je cherche un petit peu et si je bloque, je te le dirai. Ah. Ma jour m'ont dit de by delay, du coup je lag un peu en te regardant mes effets. C'est super gentil. Enfin, super gentil d'assumer des lags pour continuer de me regarder. Ok.
Alors, du coup, on va essayer de se concentrer un petit peu. Donc ouais, donc si je comprends bien, il y a des phases où tu es obligé de sortir de ton propre corps, mais ça reste over risqué quoi, parce que du coup, ta représentation éthérienne dans le monde des morts a une durée de vie. Ouais, par exemple là. Ok. Pourquoi il serait pas au milieu? C'est mon cardio, en fait. Déjà des trucs sur la cam, donc non. Non. Il y a déjà trop de trucs sur la cam. Ah, et t'as vu, t'es bloqué du coup. Ouais. Bah non, c'est mieux en fait. Si je le mets en dessous de la cam, vu toutes les infos qu'il y a au niveau de la cam, ça va être un peu brouillon. Au contraire, au moins il est visible. Ouais, donc ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Voilà. Perturbe, putain, faut peu, hein. Ah, il faut quelque chose de tranchant. Il faut quelque chose de tranchant dans l'autre monde. Alors, on va retourner à la porte initiale. Vachement bien foutu. Hein. Ok. Alors. Donc. Ok. Ouais, c'est le Discord. Faut que je coupe les alertes en fait. Faudrait que je coupe les alertes du Discord. Voilà. Non, c'est pas grave, Duny, t'inquiète. Hein. C'est ma faute. Il m'envoie des nudes, ouais, c'est ça. Oui, je pense que ça n'a pas... Yes, I'm working on it.
Carrément. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Ouais, pas de soucis. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Le pauvre, le pauvre. Mais je valide quand même. Mais le pauvre quand même. Mais je valide. Hop. Ok. Ça y est, j'ai le nez qui me gratte, les gars. C'est la fin. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Je pouvais rien faire. Ouais, c'est ça. Bah, en même temps, je réponds à Dionysos en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais qui coule et qui. Hein, c'est bon signe ça. Mais ouais, de fou. Je réponds aux copains, donc. En fait, je crois qu'il faut pas y aller. Il n'y a pas histoire de bouclier. Hein. Je crois que je peux clairement pas utiliser le bouclier. Ah, faut que je recharge pour utiliser le bouclier. Ah, tu vois, l'étincelle est trop faible pour que je l'absorbe. J'ai l'impression de louper quelque chose. Bah non, parce que tout est sur la même source, je t'ai déjà expliqué. Il faudrait que je mette... je pourrais avec le Stream Deck en fait, faut que j'installe Voice Meter. Mais c'est prévu. C'est totalement prévu. Je ferai peut-être ça après le stream. On regardera si tu veux. D'accord, donc là je pourrais pas faire grand chose. Et le bouclier, je peux pas l'utiliser tout le temps. Je peux pas l'utiliser par exemple si j'ai pas d'énergie. Prescription. I know these drugs all too well. Mm-hmm. Petite ordonnance des familles. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Hmm. Ok, Diony, bah je sais pas. Ok, donc là on sait qu'on peut pas passer. Et que pour passer, il faut qu'on arrive à mettre l'étincelle. La XLR Mini. C'est quoi la XLR? Tu parles de la Go XLR? Bah la Go XLR en fait, elle te permet, oui, de faire tout un tas de trucs. Mais il faudrait que j'installe la Go XLR en plus de la Rodecaster. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de tables de mixage. Non, Valhalla, il est pas dégueu. D'accord.
Non, il disait pas une grosse perte dans le sens où le jeu est pas fou. Non, mais il est pas dégueu. Il est pas ouf, mais il est pas dégueu. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Ah, sunflower, weary of. Oh, tournesol, l'as du temps. My favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's at least a. Si tu as une idée, Hibou, n'hésite pas. Je suis un peu du père, là. Je suis un peu perdu. Alors, attends. On va voir. Est-ce que là, maintenant... Toujours pas. Je suis un peu perdu, là. Bah, ouais, t'as arrêté Unity si t'en as fait aucun. Oui, ça va être un boost, c'est un changement. Ah, ok. Donc, le tournesol, j'imagine qu'il est dehors. Petit tournesol. D'accord, ok. C'est, tu dois faire comme ça, mais je sais pas. Non, mais on va trouver. J'ai juste un tournesol à trouver dans une maison, dans un hôpital psy ou je sais pas quoi. Un truc overbadant, quoi. Et là, on peut pas passer, c'est ça qui est chiant. Ah, tu vois, je suis vachement limité hein, dans les déplacements là. Tu vas avoir pas mal d'interactions avec des objets de ce type pour récupérer des fragments. Ouais, c'est ce que j'avais compris, ouais. Pour le coup. Ah, il y a de la flotte. Useless old hag. Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. Ouais, c'est un suicide, ça. This letter crushed her spirit. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit, la lettre? Ouais, en gros, il lui a mis un râteau, quoi. C'est un râteau. Je suis un peu du père, là. Ah, mon avis, elle est en bas. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. Ah, 8 heures de mise à jour. Please. Ok, donc elle lui a donné. Ah mais alors attends, est-ce que je peux pas? Parce qu'il est là le truc de tournesol là. Et si je fais. Oh, Mr. Tarkovsky. Dans le salon, tu as un plat. Alors attends, faut que je retrouve le salon. C'est chelou ce jeu? Bah non, c'est pas chelou. C'est.
Ah, attends. Donc là, on avait la salle de bain. Je vois pas en quoi c'est chelou. C'est... original, oui. Ouais, pourquoi chelou, je comprends pas en fait. Donc ça, c'est, potentiellement, c'est le salon. Ça, on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu, ouais. Ah, mais alors, attends. Ouais, y a que ça dessus. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est des jeux qui sont vraiment compliqués à souhait. Hein. T'es pas sur un jeu où, boum, tu vas avancer le jeu en mode tryhard. Easy ma gueule, quoi. Je suis un peu perdu, là. Je suis un peu perdu. Parce que, du coup... non, là, je reviens dans le salon. Ce qu'il y a, c'est que je suis assez limité, parce que là, il y a les chauves-souris. Je suis vraiment très limité, en fait, dans mes déplacements. Ah oui, bah, après... Ah, sunflower, weary of time. For my... Oh, Mr. Tarkov. Please. Mm-hmm. Ouais, tu passes pas d'un perso à l'autre, hein. T'es le même perso sur deux phases d'existence. Ouais, parce que... Bah là, t'as le couloir, t'as une espèce de salle de bain, du coup. Voilà. Là, on a le salon. Enfin, ce qui, potentiellement, je pense, est un salon. Le plus dur, c'est d'arriver vraiment à switcher de perso en perso et de se dire, bah, les interactions seront pas les mêmes. Plan d'existence. C'est deux plans d'existence. Tu existes en vivant comme tu existes en mort. Le pot. Quoi, le pot ? Quel pot ? Alors, si tu me parles de ce pot-là, justement, je peux rien faire avec encore. Je peux absolument rien faire, tu vois. Voilà, je n'ai rien. Oh oui, un plan d'existence, c'est pareil. Faut trouver le tournesol, ouais. Ouais, ouais. Mais alors, le tournesol, il se laisse désirer, là, quand même. Hein. Bah alors, toute cette partie-là, je te jure, je l'ai pas fait, hein, la première fois. Hein. Bah, j'ai pas grand chose au final. J'ai pas grand chose, regarde. En tout cas, j'ai zéro interaction. Ah, attends. Waouh, ça craint là. Bah non, pas encore. What? Creepy. Mais regarde le couteau au fond. Ouais, j'ai repris la main, t'as vu. Voilà. C'est un peu creepy quand même.
Ah oui, je sens un petit peu. Mais c'est ça, hein, c'est que. Ce qui est bien, c'est que les jeux sont pas extrêmement longs. Voilà, donc on a le tournesol. Okay. C'est pas extrêmement long. Par contre, ça demande quand même de réfléchir un petit peu. Voilà, donc là, c'est la fameuse pièce où j'étais, pour le coup. Voilà. Agonie, non, Agonie, c'est du sang pour du sang, je sais pas. Il est très bien, hein, je dis pas, hein, l'aria est ouf, mais et puis c'est pareil, hein, faut pas s'amuser à streamer Agonie. Hein. Je peux dire que les streamers qui ont streamé Agonie, ils le regrettent encore aujourd'hui. Hein. Tu te fais strike. Parce que le jeu a des caractéristiques pornographiques à certains moments. Assez glauque, vraiment. Trop violent, ouais, trop violent. Et puis je te dis, il y a des. What? Mais j'ai mis mon bouclier là? Ah non, c'était pas le bon bouton. Bah, Agonie a une histoire sans en avoir en fait. C'est pas transcendant quoi. Ouais, bah c'est ça, et puis t'as des boss qui sont enfin qui sont vraiment vraiment ultra creepy. Ok, on va recharger. Je me suis gouré en fait. En fait, il y a un bouton pour charger. Et voilà, et un bouton pour boubou. Ah, t'en as encore? Tu les as pas tous tués? Voilà, donc on a passé la première phase un petit peu chiante. Voilà, donc on est toujours dans cette espèce de maison abandonnée. Enfin, c'est même pas une maison, c'est un espèce de bâtiment ultra glauque. Et pendant tout le jeu, j'ai les deux phases, Hibou? C'est un tagada chocobon, c'est du chocolat à la fraise. Du chocolat à la fraise. Ah oui, c'est seulement quelques phases où t'es en doublon. T'es pas tout le temps en doublon comme ce qu'on vit là, en fait. Ok. Ah, parce que sinon, bah, ce serait pas plus mal, enfin, ce serait pas mal en soi. Hein. Wow, j'ai pris cher, hein. J'attends un petit peu pour reprendre ma vie. Ah ouais, d'accord. Elle a pris cher, cocotte. Thomas Rekovic. Ah, elle est de retour, elle. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. Mais je trouve ça vraiment cool. Elle a plus de bras. This Thomas Rekovic. Alors, ou classe 2, je pense. Par contre, je veux pas le faire tout seul. C'est-à-dire que sur le vocal, je veux pas être tout seul parce qu'il est vraiment ultra badant ce jeu. Déjà, il est très réaliste. Voilà, visuellement, c'est vrai que c'est une belle prouesse Outlast 2. Et il est ultra flippant, quoi. I
Ouais, après, je vais pas le finir ce soir, mais oui, c'est un projet, ouais, complètement. Ouais. Ah, c'est pas une question d'aider en fait, Outlast 2, c'est une question que ce jeu j'ai du mal. Non, j'aime pas en fait, justement j'aime bien chercher par moi-même. Quand j'ai besoin, ouais. Mais j'aime pas être. Bah, si tu veux, c'est jouer à un jeu pour qu'on me dise exactement quoi faire, ça m'intéresse pas. Le but c'est de chercher un petit peu. Ah, c'est fabuleux quoi, le. La double personnalité comme ça, c'est waouh. T'imagines, ça oblige quand même à développer deux fois les décors, quoi. Les décors qui sont déjà super beaux, d'un côté ou de l'autre. Ok, j'ai récupéré une lampe torche. Une clé. Non, t'inquiète, mon copilote pour les jeux d'horreur, en principe, c'est Dionysos. Ça là-dessus, pour ça. Même s'il me troll plus qu'autre chose. Bah non, pourquoi je suis à 90 ? Va voir un cardiologue. Bah non, mec, je suis à 80, entre 87 et 90. J'ai aucun problème cardiaque, Dioza. Et non, je pense qu'il bug par moment. Je pense que tu connais pas les valeurs en fait normales cardiaques. Hein. Y a très peu de gens hein, qui descendent en dessous de 85. Hein. C'est sérieux, en dessous de 85, t'en as pas beaucoup hein, qui descendent en dessous de 85. Hein. Et heureusement. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur Google... Bah attends. Attends. Alexa, quel est le rythme cardiaque d'une personne normale ? Désolé, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Alexa, quel est le rythme cardiaque moyen d'un humain ? Voici une réponse que j'ai traduite de reference.com. Selon la clinique Mayo, la fréquence cardiaque au repos normal pour les humains est comprise entre 60 et 100 battements par minute. Voilà, entre 60 et 100. La fréquence cardiaque est trouvée en prenant un pouls pendant 15 secondes et en multipliant le résultat par 4. La Mayo Clinic souligne que, bien que la fréquence cardiaque normale se situe dans une plage, l'extrémité inférieure signifie généralement une bonne condition cardiovasculaire et un cœur pompant efficacement. La fréquence cardiaque fluctue pendant la journée en réponse à de nombreux types de stimuli, tels que l'activité, la température de l'air, la position du corps, l'état émotionnel et les médicaments. Non, c'est entre 60 et 100. Qui est en dehors de la normale indique parfois un problème de santé. Alexa, stop. Mais je suis très bon, mec. C'est juste que moi, mon rythme cardiaque a toujours été comme ça. Enfin, gros, c'est moi, j'ai des potes, ils sont à entre 90 et 90-95. Bah tout va bien quoi. Donc, t'inquiète pas, mon rythme cardiaque est très bien, c'est juste que voilà, j'ai le battement fort, c'est tout. Faut arrêter de psycho. Ouais, d'ouf. Je suis pas bon. Je fais pas de sport, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Donc forcément, hein, quelqu'un qui fait pas de sport, il a forcément un rythme cardiaque plus haut. Hein. Et je suis sujet au stress très souvent, donc... Mais t'inquiète pas, hein, je... Bah oui, mais tu fais aussi... X kilos de moins que moi aussi.
ça joue aussi, mon gars. Mais t'inquiète pas, ma santé, je suis assez grand pour faire des visites tous les ans chez mon médecin. Et j'ai aucun souci cardiaque, en fait. Et je pense que le cardio-fréquence-mètre, parce qu'il oscille trop, en fait. Il bouge trop. Je pense que... Mais si tu trouves que mon rythme cardiaque est haut, va pas avoir des streamers avec le capteur cardiaque, hein, parce que j'en ai vu. Il monte à 120, 130, hein. Old invoices. Bah oui, après, c'est un truc à 40 balles, hein, c'est pas... Ouais, ce que je vais faire, ouais. Mais je regarde Dionysos dire des bêtises. Ouais, voilà, bah, parce que toi t'es comme ça, mais tout le monde n'est pas pareil, hein. Alors. Attends, je fais. Ouais, tu vois, je passe de 82 à 103, c'est pas possible. Je pense qu'il bug le truc. De 82 à 92, c'est pas possible. Hein. T'as une idée, du coup, Hibou ? Parce que là... D'accord. Bah c'était un indice, ouais, je suis preneur. Ah, attends. D'ailleurs, je vais le retirer, le truc cardiaque, parce que du coup, ouais, non, je pense que... Je pense que le truc marche pas du tout, en fait. C'est dommage. Faudrait que je le fasse... Je teste avec Rina. Attends. On va faire ça, je vais lui demander. Attends. Rina ? Rina ? Ouais, dors. Ton logo refresh est revenu. Mon logo refresh ? De quoi tu me parles ? Pas que tu de quoi que tu parles. Ah oui, sur la droite, ouais. Ouais, faut que je fasse le tri parce que j'ai trop de trucs là. Voilà. Mais je pense que le truc pulso. Ouais. Je commence à avoir trop de scènes en fait.
vu qu'à chaque fois je change les trucs. Du coup, ouais, Hibou, si t'as une idée, parce que là je suis un petit peu perdu. Un peu perdu pour le coup. Biblio, ah d'accord. Bah, c'est ce que je pensais, mais j'étais pas sûr. Il y a un truc au niveau de la bibliothèque. Ah mais, merci Captain Obvious. Merci. Merci de m'apprendre à me servir d'OBS, c'est gentil. Merci. Je vais pas créer 100 profils non plus. Dédoubler des scènes. Bah biblio, tu vois, il y a rien, il y a aucune interaction en fait. Zéro interaction. Ah merde. Ah ok. Putain, fallait le savoir. Hein. D'accord. Ok, pourquoi pas. Oh. Et voilà. Et là je reviens tout seul. Merci Hibou. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Ouais, bah ce serait pas drôle sinon. Charmant. Like a gust of wind moving a curtain. Ouais. Pentagramme cosmique. Suppressing, huh? Tiens, allez là. Le fixeur. Tu sais que sur des rites magiques, la croix de David était aussi utilisée. Je suis désolé, hein. Je suis désolé de te dire ça. Mais la croix de David était tout autant utilisée. Ok.
three liquids to develop the photo. Looks like there's a train missing. Ok, alors, développeur, stop bass, fixeur. Déjà, on va mettre le fixeur ici. Voilà. J'ai loupé une bouteille. Voilà. Okay. That's all of them. Ah merde, c'est moi. Sean, descends, tu vas faire des conneries. Descends. Who's there? Cette ambiance de glauquerie. Oh, un démon. Ok. Hello? Are you all right? Ça, c'est mon Némésis, en fait. Il est pas beau, hein. Oui, d'accord, je devais courir. Ah, il m'a pas prévu. C'est les fatalities de... Dead by Daylight. Ah, j'étais pas prêt pour le truc, là. Oh merde. Pardon? Mais non.
Ah putain, ouais, c'est pas... C'est pas super facile, hein. Vraiment, hein. C'est pas simple, hein. Ah puis le truc est ultra badant quoi. Dionysos, si c'est pour taunt, on s'en passe hein. Tranquille. Allez, voilà, au revoir. Ouais, t'as vu, c'est ça tue, hein. Ouais, je pense que c'est pas fini, en fait. Va-t'en, Shun! Sérieux, merde, dégage! Putain, elle est chiante! Ah, elle se met sur l'ordi au mauvais moment à chaque fois, en fait. Je pense que les chats, ils ont un radar. Ah, c'est oppressant au possible. Ah de ouf, mais ça c'est tout le temps. Elle fait ça tout le temps, mais elle est chiante. T'as une fois elle a réussi à m'éteindre mon PC. J'étais sur un projet depuis quelques heures. Bah j'ai dû tout recommencer en fait. Ouais, je suis pas hyper rassuré en fait. Ça pue là. Oh merde. Est-ce qu'il est con ou... Ah ouais, ça par contre ça sert pas. Je suis partagé là. Je suis partagé. D'un côté c'est chouette, d'un côté Ah, me dis pas que je recommence à la run hein. Non, c'est bon. Disons que c'est oppressant quoi. Thank you.
Ouais, j'avoue. C'est le stick gauche. Oh, il va être en bas. Tu vas bien avoir une douille comme ça. Most people spend their whole lives seeing only a fraction of our reality. Lucky them. Non, même pas, je pensais, mais I have spent my whole life looking. Ah, tu vois, il y a des petits petits bugs avec le RTX, hein. Pas pourquoi. Even as a child, I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But that thing, it was anything but normal. I've never encountered anything like this. This ravenous. I felt lost. I came to Neva looking for answers, and all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas?
Elle s'en pose des questions. Hein. Donc, voilà pour cette première partie. Moi, de toute façon, j'avais dit, j'arrêtais à minuit, du coup. Sinon, ça va être compliqué hein, de pouvoir s'organiser. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un plaisir hein, de pouvoir, pouvoir me lancer sur, sur ce jeu. Toute progression sera... Ouais, ok. Hop. C'était un plaisir hein, de se lancer un petit peu sur ce jeu. À la fois déroutant, à la fois flippant, il faut le dire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, toi, Ibu, tu l'as déjà fait, donc du coup, je pense que t'as kiffé, bien évidemment. Les autres, n'hésitez pas à me le dire dans le chat hein, si vous voulez que je fasse plus souvent ce genre de jeu. Là, c'est vrai que ce soir, je suis un peu fatigué. Donc, je t'avoue que j'ai pas le peps et l'énergie que j'ai d'habitude. Il est, ouais, il est cool. Bon, moi, je vais sur Discord de toute façon après hein, pour ceux qui veulent. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et puis, vous avez le planning. Je vais le mettre hein, sur Discord dans planning. À très vite, les amis. Ciao, ciao. Oh là là, c'est fini. Mais on se retrouve bientôt.